Hello à tous, nouveau rendez-vous de cette Inbound Marketing France édition 2021 avec une pépite, un cadeau, quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. On va venir vous dévoiler, vous présenter les résultats 2021 du premier baromètre annuel du marketing, des comptes stratégiques. Voilà. Et pour vous révéler les résultats de ce baromètre, je suis accompagnée de Isabelle Defay. Elle est responsable d'agence chez Inbound. Elle est accompagnée de Nathalie Di Santo. C'est la directrice du courrier publicitaire chez La Poste Business Solutions. C'est bien. J'ai mis dans le bon sens, non? La Poste Solutions Business. Ça permet de faire deux fois le nom de ton entreprise. Et elles sont accompagnées toutes les deux de Benoît Marcelin. Il est directeur adjoint en charge des opérations chez Nomination. Hello à tous les trois, ça fait plaisir de vous voir ici. Bonjour. Bonjour. Bravo. Alors vous allez nous dévoiler ce baromètre annuel du marketing des comptes stratégiques. Mais première question, c'est pour Isabelle. On parle de quoi avec ce baromètre? C'est quoi? Alors le baromètre, effectivement, c'est la première fois qu'on le présente cette année, qu'on l'a réalisé cette année en 2021. Et l'objectif était de voir où est-ce qu'on en était par rapport à cette approche qui est donc le marketing des comptes stratégiques. On parle de marketing, on va voir sans trop spoiler si effectivement ça ne touche que le marketing ou pas. En gros, c'est ce qu'on appelle en anglais l'account-based marketing. Et c'est comment est-ce qu'on va s'adresser lorsqu'on est une entreprise pour capter l'attention et créer une opportunité commerciale auprès de comptes clés, auprès des comptes les plus stratégiques pour son business. Ok, très bien, c'est très clair. Alors peut-être vous nous expliquez comment vous avez fait, comment vous y êtes pris, Benoît. Un peu on a sorti les grands moyens, on peut le dire. On a été au bout. Bravo, bravo. Vas-y Benoît. Alors on a combiné trois points clés. Le premier, c'est une étude, Quali et Quanti surtout. On a interrogé des décideurs, marketing, dans plusieurs secteurs d'activité, sur des tailles de boîtes différentes, histoire d'avoir de la représentativité. Donc ça, c'est le premier point. Une vingtaine de questions, questionnaire un peu trapu. On a eu du mal à aller jusqu'au bout, mais on y est arrivé. On y est arrivé. Donc ça, c'est le premier point, la méthodo. Le deuxième point, peut-être, si tu veux bien nous le présenter. Effectivement, on est allé travailler avec une analyse sémantique cette fois-ci. On a crawlé un volume conséquent de contenu, soit qui venait des US, puisqu'on verra que effectivement ces pays-là ce pays-là est beaucoup plus en avance sur ces stratégies. Et on a comparé aussi avec les prises de parole sur le sujet en France, de façon à voir s'il y avait ce qu'on appelle des clusters. Alors le terme est un petit peu différent aujourd'hui. En ce moment, mais, ça a changé, oui, n'est-ce pas? On cherche effectivement à voir s'il y a des audiences particulières, s'il y a un volume de contenus qui sont sur les mêmes thématiques et de pouvoir comparer ce qui ressort effectivement des contenus US versus les contenus français. Donc on s'est appuyé sur cette analyse-là également. Et puis, on a fait aussi des entretiens qualitatifs. Des entretiens quali avec des décideurs, des marketeurs. Et on voulait vous livrer quelques verbatims, des petites phrases comme ça qui nous ont marquées quand on a pu lire l'ensemble des comptes rendus. Donc, on a entendu par exemple l'ABM, c'est le levier B2B de demain. Il n'y aura plus que de l'ABM quand on fait du B2B. Donc, on a eu ce genre de citation. Le nerf de la guerre, c'est la data. On arrive au bout du marketing automation. Donc, du coup, il faut parler maintenant de pertinence commerciale. On a eu aussi... nous entrons dans l'ère de l'archi-personnalisation. Donc, il faut que les commerciaux soient dans l'archi-personnalisation. Et on a eu aussi quand même un message un petit peu plus d'espoir qui est... l'account-based marketing est sans doute la technique de demain, mais elle n'est pas excluante des autres. Donc voilà un petit peu ce que pensent les décideurs marketing de l'ABM. On voit qu'en tout cas, ça préoccupe beaucoup de marketeurs, qu'en tout cas, ça éveille beaucoup l'intérêt. Et on a eu aussi plusieurs fois la citation qui est « en fait ». Je crois que je fais de l'ABM depuis longtemps sans le savoir. On a des Monsieur Jourdain de l'ABM. Exactement. Génial. Donc ça, c'était sur la méthodo. Je vais demander maintenant à Isabelle de nous présenter un peu la place de l'ABM. Qu'est-ce que vous avez appris sur la place de l'ABM en 2021 ? Alors effectivement, tu fais bien de préciser 2021 parce que l'objectif de ce baromètre, c'est qu'on puisse chaque année présenter le baromètre de l'année et voir quelle est l'évolution. Est-ce que cette tendance que l'on observe émergente en France aujourd'hui, est-ce que ça perdure? Est-ce que ça prend effectivement son sens et est-ce que c'est adopté au sein des entreprises? Ou est-ce qu'il y a une autre notion qui guinait? Donc ça va nous permettre de voir effectivement au fur et à mesure des années comment ça évolue. En ce qui concerne 2021, ce qu'on a pu observer, c'est que par rapport au questionnaire qui a été complété, on a une majorité de personnes qui savent ce que c'est que le concept de l'ABM. Donc on a 3 quarts des répondants qui connaissent le concept. Pour autant, ce qu'on observe, c'est que le concept n'est pas toujours facile à définir. On a même, je vais aller tout de suite tout en bas, on a, en gros l'ABM c'est de l'inbound marketing. Alors, est-ce que c'est le cas? On verra dans les documents qu'on pourra partager par rapport à ce baromètre ce qu'il en est exactement. Mais il y a effectivement des notions qui se recoupent. On voit que majoritairement, la meilleure compréhension, la meilleure définition qui est donnée, c'est le fait de concentrer ses efforts sur des comptes stratégiques. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'objectif ici étant de voir ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à la compréhension. Je vous invite surtout à compléter tous les deux par rapport à ce qu'on voit là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir si aujourd'hui, en France, c'est une approche, une stratégie qui est adoptée ou pas. Parmi les répondants, on voit qu'il y a la moitié d'entre eux qui ont commencé à déployer cette stratégie. Donc ça veut dire que non seulement il y a une prise de conscience de l'intérêt de cette approche, mais qu'en plus, c'est adopté en interne. En revanche, sur la question de est-ce que, en gros, on est sur une stratégie successful ou pas, ça reste un petit peu mitigé. Plus que mitigé. Ouais. Effectivement, alors je pense que ça vient aussi du fait, ça participe du fait que c'est encore les premiers pas, même si c'est pas tout nouveau non plus l'account-based marketing, mais en tout cas, ça se démocratise de plus en plus. Oui, complètement. C'est aujourd'hui un sujet, on entend parler régulièrement. Nous, en tout cas, chez Nomination, on est beaucoup sollicités par nos clients sur le sujet. On va en parler sur la partie data, mais aujourd'hui, les initiatives sont lancées, les premiers enseignements arrivent. On est encore loin des bons résultats pour l'instant. C'est ça, on sent que voilà, ça commence à prendre de l'intérêt en France. On va voir l'évolution au fur et à mesure des années. Moi, je suis curieuse de voir d'ici 2-3 ans ce que ça donne, effectivement, sur la partie succès. On est d'accord. Alors du coup, il y a des enjeux majeurs qui sont nés de cette analyse-là. Et ça, c'est Nathalie qui va nous en parler, c'est ça? Vas-y Nathalie, c'est à toi. Alors les enjeux majeurs sont au nombre de 3, le chiffre magique de 3. On a la data, on a la capacité à avoir du contenu et on a l'alignement des marketeurs et des vendeurs. En fait, quand je vous dis on a un enjeu de data et de contenu personnalisé, vous comprenez tout de suite pourquoi on n'est qu'à 30% de taux de succès sur les stratégies d'ABM. Parce que la data, on en a beaucoup parlé au cours de l'Inbound Marketing France. Je crois même qu'on a entendu cette semaine qu'il n'y avait aucune entreprise en France qui avait des données parfaitement correctes et nettoyées. Donc, on comprend qu'on a déjà quand même un certain nombre de sujets à résoudre avant de commencer à avoir une stratégie d'ABM qui soit totalement efficace. Quand on dit data, on parle de quoi en ABM? De quoi on a besoin? Évidemment, on a besoin de savoir qui sont les comptes clés qu'on veut toucher. Et pour savoir qui sont les comptes clés qu'on veut toucher, il faut qu'on sache où sont les potentiels, il faut qu'on sache comment scorer les clients. Donc déjà, il y a besoin d'un certain nombre de data pour pouvoir arriver à l'identification comme ça de ce nec plus ultra des comptes qu'on veut toucher. Bon, à la rigueur, ça, on peut demander aux commerciaux, en B2B, en général, ils ont quand même déjà une petite idée. Moi, je dis attention. Hein. J'ai souvenir d'un atelier de travail avec une équipe commerciale, droit dans les yeux, notre objectif, notre cible, c'est le SBF 120, tranquille. Et donc là, on leur pose la question, donc ça veut dire que vous prenez les têtes de groupe ou toutes les filiales? On prend tout. Donc le SBF 120, c'est environ 2800 entités en France. On a pris 2 exemples, on leur a dit donc Bouygues. Ah oui, Bouygues, c'est top cible. OK, les filiales aussi. OK, donc on va raconter la même chose à auféminin.com et à Colas Construction. Pas sûr. Donc, les commerciaux, pour le coup, ma perception, c'est qu'ils sont loin de ça sur l'analyse, la partie analytique, notamment sur les groupes, avec cette structuration des comptes. Et je pense qu'au contraire, c'est plutôt au marketing de reprendre une casquette étude de marché, être capable d'aller évaluer du potentiel, évidemment à partir de la data du CRM, mais d'abord et avant tout avec une analyse de marketing, et ensuite la couche des commerciaux qui vont expliquer que cette entreprise, en fait, non. Le fils du patron est en fait bosse chez le concurrent, donc ça sert à rien d'aller attaquer ce con. Donc pour moi, c'est vraiment cette double combo, mais il ne faut surtout pas se dire je suis au marketing, il suffit que je demande aux sales et tout va bien se passer. Autre enseignement, Nathalie ? Alors, sur la data, on a aussi, une fois qu'on a fait ce travail hein, d'identification des potentiels, c'est l'identification des interlocuteurs. Alors là, on commence aussi à toucher dans le dur. Donc, on a vu que dans beaucoup d'entreprises, hein, quand on fait l'extraction du CRM, quand il existe des interlocuteurs, on a des interlocuteurs qui sont partis depuis belle lurette, qui n'ont jamais été alimentés. Et donc là, on se retrouve avec... On a passé la première étape, on sait qu'on veut toucher telle entreprise, mais alors qui ? Bon, bah, là commence la partie la plus difficile, d'identifier le bon interlocuteur, de rentrer en contact, déjà comment on peut commencer à rentrer en contact avec lui. Donc on a vraiment ce sujet de data, sachant qu'en plus, comme le disaient très bien Isabelle et Benoît, comme l'ABM, c'est une démarche personnalisée, il ne suffit pas de se dire « je veux toucher Monsieur Dupont », c'est Monsieur Dupont, qui est-il hein, où est-ce qu'il se renseigne? Qui est-ce qu'il influence? Qu'est-ce qui l'intéresse? Quels sont ses sujets de prédilection? Est-ce qu'il appartient à une association professionnelle? Enfin bon, tout ce qui fait qu'on va commencer à comprendre comment on va toucher Monsieur Dupont. Donc là, on voit qu'on est assez loin du compte. Et c'est vraiment cette partie qui est ressortie aussi. Hein, c'est l'irritant principal d'une stratégie ABM. Et on voit 42,6% des gens ont des difficultés hein, pour trouver ce type d'informations. Parce qu'il y a tout un travail préparatoire en amont et qu'il faut déployer un certain nombre de moyens et d'énergie pour arriver à avoir le bon niveau de data qui va permettre d'avoir la bonne structuration de la démarche ABM. On a, comme tu parlais tout à l'heure des verbatims, on a effectivement été chercher là aussi des éléments qui venaient corroborer ce que tu viens de dire. Et effectivement, bien choisir ses comptes, c'est indispensable. On a une sélection, mais parfois de beaucoup trop de comptes, et ça peut être un frein aussi au succès. Donc il faut parfois apporter de la nuance, là aussi, et être pragmatique, et même pas trop gourmand. Pas trop gourmand, oui. Bah, c'est-à-dire, plus on part de loin, plus il faut essayer de se concentrer. Il faut obtenir quelques succès aussi, hein, c'est important. C'est donc, le deuxième enjeu, c'est vraiment l'enjeu du contenu personnalisé. Là, on rentre... vous avez identifié Monsieur Dupont, vous savez comment Monsieur Dupont il interagit avec son environnement. Donc, à quel type de cercle différent? Tiens, sur LinkedIn, est-ce qu'il est dans une communauté particulière? Ben, c'est super, je vais essayer de discuter avec lui. Mais maintenant, qu'est-ce que je lui raconte? Hein, on rentre dans le deuxième niveau de difficulté, c'est qu'est-ce que je raconte à ce Monsieur Dupont? Est-ce que j'ai des ressources en interne? Est-ce que ces ressources en interne, elles parlent des bons sujets? Est-ce qu'elles sont correctement orientées? Parce qu'il ne suffit pas de parler de soi. On entendait tout à l'heure aussi parler de social selling et de à quel point, finalement, il faut parler à la personne et pas venir directement être dans un message commercial. Bon, ben là, c'est la même chose. C'est quel est le contenu personnalisé qu'on va pouvoir mobiliser? Qui va pouvoir le personnaliser et comment est-ce qu'on va pouvoir le pousser? Après, quel est le canal que je vais utiliser pour le pousser? Et là, on voit aussi, et c'est toute la magie de l'ABM, c'est que ça permet à l'entreprise de progresser énormément. Le simple fait de se poser ce type de questions permet de progresser énormément sur la mise en œuvre à la fois de la démarche d'ABM, mais tout simplement de la démarche de prospection au sens large. Et donc, la partie contenu est aussi un des enjeux principaux. Il faut veiller à avoir du contenu mobilisable rapidement. Donc la data, dédier des ressources au contenu personnalisé, quelques verbatims pour éclairer peut-être ça. Oui, c'est effectivement, on voit que même pour ceux qui se sont lancés, ça reste un enjeu majeur, c'est-à-dire que c'est déjà une problématique auquel ils sont confrontés et qui a peut-être freiné le fait de se lancer, mais même pour ceux qui se sont lancés, ça reste encore une difficulté. Et effectivement, c'est ce qui est ressorti là aussi dans les entretiens qualitatifs. Et pour la suite, effectivement, de tout ça, ça vient corroborer, c'est ça qui est intéressant. Exactement. Parce que après, comme dans l'inbound d'ailleurs, l'enjeu de l'ABM, c'est l'alignement des commerciaux et des marketeurs. Il faut travailler main dans la main pour l'identification des comptes, que ce soit pour faire tomber des mythes ou pour trouver ensemble des comptes à explorer, mais aussi pour vraiment pouvoir pousser les bons contenus. C'est-à-dire que le commercial, il faut qu'il soit convaincu du contenu qu'il pousse. Si lui, on lui demande de pousser un contenu auquel soit il comprend rien, soit il adhère pas, soit il l'a jamais vu, soit il n'est pas forcément d'accord, c'est une démarche qui ne peut pas fonctionner. Donc vraiment, l'alignement des équipes sales et marketing, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait que le commercial, qui est lui la seule personne que le client, le prospect va voir. Le client, il ne verra pas l'équipe marketing qui a fait tout ça. Il verra un commercial devant lui. Donc il faut que le commercial soit le meilleur ambassadeur de tout ce travail, que ça soit la partie data ou la partie contenu qui a été faite par les marketeurs. Et il faut vraiment travailler les contenus avec les commerciaux pour s'assurer qu'ils l'ont bien en main, qu'ils l'ont bien en bouche, qu'ils vont bien pouvoir le défendre et qu'ils vont savoir réagir à la fois à une sollicitation directe, on ne sait jamais, le client peut appeler et donc appeler le commercial en direct. Et donc, il faut que le commercial puisse pouvoir répondre, mais il faut aussi qu'il puisse rebondir sur les interactions que le client ou le prospect va pouvoir commencer avec lui. Donc, l'alignement des équipes, c'est fondamental et plus on embarque les sales en amont dans le dispositif de définition de la démarche ABM, plus elle sera couronnée de succès. Et d'ailleurs, on a un petit point aussi sur finalement l'alignement sales et marketing passe-t-il par la conservation du marketing. ça participe de ça aussi. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que pour un tiers des répondants, c'est ce qui a empêché quelque part le fait de se lancer. Comme quoi, on parle d'account-based marketing, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que c'est une stratégie d'entreprise. Ça en doit embarquer l'ensemble des équipes. On le voit, se lancer sur l'ABM, ça veut dire investir. Il y a quelques chiffres qui font un peu mal des fois. Mais donc, investir. Mais pour investir, il faut mobiliser. Il faut obtenir les arbitrages. Pourquoi j'irais investir du temps, de l'énergie pour qualifier des comptes qui ne sont pas les bons? Donc clairement, plus qu'une notion d'alignement, c'est une notion d'équipe. Et on voit dans les entités qui sont le plus avancées, qui sont souvent des entités françaises de groupes internationaux, plutôt éditeurs de logiciels et plutôt américains, où ils constituent des équipes. Une team, on va pas citer. Je te rejoins, c'est notre premier conseil quand on se lance. Donc une team dédiée par groupe. Donc il y a la team SNCF dans laquelle il y a un marketeur, un SDR pour faire on va dire la petite main, le compte exécutif ou le CAM selon la terminologie, avec des notions de sprint. Donc ils embarquent en fait toute cette notion d'agilité au profit d'une approche. Mais pour faire ça, ça veut dire que le DIRCO est convaincu, que le directeur marketing est convaincu, que le patron de la France est convaincu. Donc un alignement, oui, mais en démontrant tout au long du dispositif les bénéfices pour l'entreprise et pour l'organisation. Oui, parce que tu as raison, ça prend du temps. Donc il faut vraiment avoir l'adhésion de tout le monde parce que ça ne donne pas de résultats en quelques jours. C'est une démarche de longue haleine et qui est une démarche transformante. Oui, complètement. On voit effectivement que ça a été là aussi abordé, puisque le dernier point, c'est qu'il faudrait presque renommer cette stratégie. Alors, on entend et on voit pas mal de littérature sur des propositions. Alors, on passe d'account-based marketing à account-based experience, à account-based engagement, à account-based strategy. Je ne sais pas si on verra ces changements abordés et adoptés dans les années prochaines. C'est intéressant d'avoir fait un premier point d'étape. Là, justement, ça nous donne envie de suivre ça pour les années qui viennent, parce qu'on va observer comment ça évolue. Génial, c'est verbatim. Enseignement 2021. Je crois que c'est moi. C'est toi, Benoît, oui. Alors, le premier enseignement, c'est qu'a priori, on va pouvoir recommencer l'année prochaine. C'était pas gagné, mais globalement, non seulement ceux qui ont décidé de se lancer ont globalement décidé de renforcer leur budget ou à minima de les maintenir. Ça, c'est souvent un signe que c'est plutôt bien engagé quand on regarde les budgets. Et surtout, ceux qui n'y sont pas encore allés, en très 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 grande majorité, ont envie d'y aller. Alors, à court terme, pas sûr. À moyen terme, globalement, la réponse est oui. Donc, normalement, on a de la matière pour l'année prochaine et les années d'après. On se donne déjà rendez-vous, c'est ça ? On se donne rendez-vous. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, et je vous inviterai à prendre connaissance du livre blanc qui détaille tout ce qu'on a fait, tout le travail qui a été conduit notamment par tes équipes. Ce qui est hyper intéressant, c'est comparer la littérature et comparer finalement l'état de maturité de l'ABM en France versus les États-Unis. Après, visiblement aux États-Unis, tout le monde ne connaît pas l'ABM, mais ceci étant... On a vu ça tout à l'heure. Il y a encore un peu de chemin. Parce que il y a encore un peu de chemin. C'était une première mesure. Mais ça s'appelle les marchés de niche. Globalement, si on veut voir, si on prend un peu de hauteur par rapport à ça, le point clé, c'est que encore beaucoup en France, l'ABM, c'est une notion de tactique. J'ai un souci de lead de mauvaise qualité, je sors ma tactique ABM parce que je vais avoir du lead plus chaud, plus gros, plus juteux pour mes commerciaux. On sent bien qu'aux États-Unis, ça c'est vraiment derrière eux. On est passé sur une logique beaucoup plus structurante où l'ABM est une stratégie d'entreprise, une stratégie de structuration qui structure les offres, les groupes, les recrutements, la manière de bosser, les process internes, les outils. L'organisation commerciale, par exemple. Exactement. Comment les teams sont organisées pour là où en France, on est encore dans de la tactique et évidemment compliqué d'atteindre tout le potentiel de cette approche-là quand on n'est que tactique, quand on va juste de temps en temps faire quelques opérations, quelques coups. Alors ça peut fonctionner, ça peut être le point de départ, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de maturité quand on se compare avec nos amis américains. Un point clé aussi qui ressort, mais toujours dans cette logique-là, c'est la notion de data-driven, où globalement, chez nous, ça reste, on va dire, incantatoire. Encore ? Oui, on peut dire ça comme ça. Alors que le sujet est beaucoup plus structuré, beaucoup plus outillé, pardon, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça, c'est le premier enseignement pour réussir vraiment à transformer son essai ABM en résultat. C'est vraiment pas le prendre comme une tactique opérationnelle, mais vraiment comme le prendre comme une stratégie d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et c'est ce qui fait le plus plaisir, je trouve, dans toute l'analyse qu'on a faite, c'est en fait, faites du marketing. C'est globalement, je pense, le message qu'on a beaucoup entendu dans les différentes interventions aujourd'hui, mais on commence surtout pas par vouloir faire de l'outillage. On commence d'abord par faire du marketing. Qu'est-ce que je vais raconter au CFO de Bouygues pour lui donner envie de parler avec un de mes commerciaux? Pas évident comme question. Et pourtant, c'est celle-là qu'il faut répondre avant même de vouloir automatiser, avant même de vouloir scaler. Un chiffre important, c'est que la majorité du panel qu'on a interrogé et qui se sont lancés et qui ont eu des résultats intéressants sont des gens qui se sont lancés dans ce qu'on appelle le one-to-one, c'est-à-dire moins de 10-20 comptes. Donc une cible vraiment très réduite. On concentre beaucoup d'énergie sur un tout petit territoire et on a le temps de penser à son message marketing compte à compte, et non pas persona par persona, mais vraiment compte à compte. Donc ça, c'est globalement un point qui ressort fortement et qui, je pense, dans l'expérience qu'on voit chez des clients, c'est vraiment un point clé de réussite. C'est ce qu'on retrouve aussi effectivement dans les clients qu'on accompagne, c'est qu'aujourd'hui la volonté, on l'a vu toute cette semaine, hein, c'est ce souhait de créer une interaction personnalisée, de s'intéresser aux problématiques avant de vouloir vendre un produit. Et par rapport à l'outil, c'est crucial, c'est-à-dire que l'outil tout seul, on l'a entendu aussi dans la conférence avec notamment Benoît Raphaël, l'outil tout seul, il ne sert à rien. Il faut d'abord définir sa stratégie, faire son marketing, effectivement, et puis après, passer l'échelle en s'outillant. Alors, moi, j'irais même plus loin. L'outil, souvent, ne sert à rien. Quand vous avez adressé 10 comptes, et sur chacun de ces comptes, vous adressez 5 à 10 personnes, en fait, vous faites du marketing à l'unité. Donc, une boîte mail, ça marche vachement bien. Hein. Pas besoin de mettre du marketing automation, des outils de campagne. Objectivement, on peut commencer vraiment de manière très artisanale, à condition d'avoir le bon message. C'est ça. Après, ça vient apporter de la valeur, apporter de l'enseignement, apporter la capacité à aller toujours plus loin. Donc, c'est vrai que c'est l'étape complémentaire. C'est ce qu'on voit ici par rapport à ce qui est revenu là aussi dans les verbatims, si tu veux peut-être les commenter, mais c'est effectivement cette notion. Oui, enfin, en règle générale, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. En marketing, c'est d'abord l'intelligence des marketeurs avant les outils. Hein. Parfois, on a tendance un petit peu à se cacher derrière l'outil. Mais oui, c'est tout à fait vrai. En revanche, je rejoins ce que disait Isabelle. Pour pouvoir passer à l'échelle, à un moment, parce que tu fais de l'ABM sur 5 comptes, 10 comptes, et puis après, bah, tu veux en faire vraiment justement une stratégie d'entreprise qui peut être une façon de renouveler complètement ta prospection. Et là, tu peux commencer à avoir besoin d'être dans l'automation. Mais en effet, en étape 1, on est vraiment dans l'intelligence et l'agilité des marketeurs uniquement. Peut-être le dernier renseignement ? Allez, on y va pour le dernier renseignement. C'est celui qui fait mal dans ton carnet ? La thune, beaucoup. La caillasse, les pépettes, le flouze. Exact. Ça coûte cher de faire de l'ABM, il ne faut pas se mentir. On ne fait pas de l'ABM sur un coin de table en se disant « Tiens, on se lance, on verra bien ce que ça fait ». Le point majeur par rapport à l'inbound, c'est que non seulement vous avez besoin du contenu, mais en plus vous avez besoin de la data, et de la data hyper qualifiée. Et ça coûte un peu des sous. La notion de flip the funnel, vous commencez pas par attirer des gens et vous raffinez les leads jusqu'à ce qu'ils deviennent sympas, c'est l'inverse. Normalement, en ABM, vous faites même plus de formulaire. De toute façon, les gens, vous les connaissez déjà. Donc, le seul intérêt, c'est qu'ils lisent votre contenu. Surtout, ne mettez pas de formulaire. Mais tout ça, évidemment, ça coûte de l'argent. On le voit dans le panel. Mais ce sont des investissements, c'est pas un coût. C'est ce que j'allais dire, il faut nuancer aussi, c'est qu'on va chercher des comptes les plus stratégiques. Ceux sur lesquels... Mais ça prend un peu de temps. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, effectivement, mais c'est vrai qu'on investit sur des cycles de décision où on va être sur 18 mois, 2 ans, 4 ans parfois, oui. Et parfois ça se chiffre en milliers, millions d'euros. Donc on va aussi investir pour aller chercher des comptes les plus importants. Donc les deux enseignements moi, que je retiens, c'est un, et clairement il faut de l'argent pour le contenu, la data, et il y a un point qui ressort vraiment très fortement dans le questionnaire et dans l'analyse du questionnaire, c'est les soucis d'accompagnement. La plupart des gens qu'on a interrogés, 53%, éprouvent un manque d'accompagnement, un manque d'expertise en interne, parce que c'est une approche un peu nouvelle, parce qu'elle nécessite de voir les choses différemment, parce qu'elle nécessite de la bande passante. Et a priori, moi je ne connais pas beaucoup d'entreprises où il y a des marketeurs qui attendent gentiment qu'on lance enfin une stratégie ABM, et en attendant, on attend. Donc évidemment, l'entreprise continue. L'ABM, ça commence toujours par un petit segment, donc ça veut dire que tout le reste de la boîte continue d'avancer vite. Donc pour avoir ce temps, une nécessité forte d'être accompagné à tous les étages de la fusée, hein, la production de contenu, la data, l'orchestration et parfois même l'exécution opérationnelle. Oui, d'autant plus que, comme on a beaucoup de Monsieur Jourdain de l'ABM, en fait, tu commences de ton côté tout seul, en pensant que finalement, tu vas peut-être pouvoir y arriver, avant de t'apercevoir qu'en effet, tu n'as pas de data, tu n'as pas de contenu, et que c'est très compliqué. Donc, du coup, ce besoin d'accompagnement, il se fait jour de manière assez naturelle, où en cours de route, on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin de structurer la démarche. Allez, on passe au mot de la fin, hein, c'est ça. Vous avez 60 secondes chacun pour votre mot de la fin. Benoît, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, l'ABM, ça marche. Ça marche si on met les bons ingrédients. C'est une super recette. Il faut un peu d'obstination, un peu de résilience, parce que ça nécessite de changer, de réinventer un certain nombre de choses, notamment quand on vient de l'inbound et qu'on a pris plein d'habitudes. Il faut déconstruire certaines habitudes. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est les personnes qui se sont lancées là-dessus en ont tiré pour eux, à titre de marketeurs, plein de choses positives et à titre de l'organisation, des super leads. Donc globalement, n'hésitez pas. Et moi, j'ai retenu l'ABM, ça marche. Nathalie. L'ABM, ça marche, et l'ABM, ça permet vraiment d'aligner les commerciaux et de les embarquer. Quand on fait du marketing, on souffre souvent de la distance avec les commerciaux, hein, qui ont tendance à passer des commandes et puis à pas trop s'investir. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a pu évoquer l'ABM, c'est vraiment une façon d'embarquer les commerciaux. Ils sont ravis, ils ont l'impression que les marketeurs s'intéressent à eux, qu'on va travailler pour eux, qu'on va les accompagner. Ils sont preneurs de ce type de démarche. Et je pense que les commerciaux sont également preneurs de nouveautés et d'innovations. Et parfois, on a tendance, en tant que marketeur, à innover de notre côté, à pas forcément les associer. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc ça marche. On embarque les commerciaux. Isabelle, ton mot de la fin ? Moi, je vais juste partager le plaisir que j'ai eu à voir les résultats de ce baromètre, parce que c'était quand même, on va être transparent, on avait un petit peu les miquettes. On s'est dit, mais... Vous aviez quoi? Les miquettes, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas à chaque fois. On n'était pas très sûrs de... On a confronté nos convictions, en fait. Nous, on était convaincus sur le fait que c'est une tendance émergente, qu'il y a une littérature qui vient le confirmer, etc. Mais entre ce qui est de la littérature et ce qui est de l'adoption en interne dans les entreprises, il y a un chemin. Et on était rassurés de voir qu'effectivement, on ne s'est pas trompé. Il y a vraiment un intérêt sur ce sujet. Je pense que c'est encore plus le cas par rapport au contexte qu'on vient de traverser. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le luxe d'attendre que ça vienne. Il faut être beaucoup plus proactif tout en étant dans un marketing de permission, si on veut faire le lien avec tout ce qu'on a eu cette semaine. Et c'est vrai que ce baromètre, je le redis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine et encore l'année d'après, pour voir effectivement comment ça évolue en France. Eh ben, fabuleux, merci à tous les trois d'avoir partagé ce premier baromètre, ces résultats. À l'année prochaine avec le nouveau nom. À l'année prochaine avec le nouveau nom de la Account-Based Marketing. Peut-être le même, on ne sait pas, on verra. Bref, ça sera la surprise, mais rendez-vous 2022, Isabelle. Et on va juste préciser qu'il y a donc un livre blanc qui va sortir dans les prochains jours. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. C'est ça. Il y aura effectivement un livre blanc, parce que là, on vous a restitué nos enseignements et ce qui a été le plus marquant. Mais il y aura bien sûr un livre blanc qui va reprendre l'ensemble des éléments de ce baromètre, et on aura le plaisir de vous le proposer. Super. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Bravo. Je crois qu'on peut les applaudir vraiment. Merci infiniment. Et merci à vous qui avez participé, regardé et continuez à faire des tours sur le site de l'événement. Il y a encore plein de choses, plein de beaux replays à aller voir. Merci à vous. Ah ouais, générique.